attentivement, très attentivement. Ça ne veut pas dire que quand on crée quelqu'un, même si la lettre est le mouvement actuel, qu'il est forcément vivant. Non. Satan, on l'avait créé. En tout cas, pas Satan, mais on a créé le chérubin jadis oint, qui est devenu plus tard Satan. Mais avant d'être Satan, le Dimabobé, le mauvais esprit, il était un chérubin oint, aux ailes déployées. Il vivait, mais n'était pas vivant dans une réalité dont vous ne pouvez même pas imaginer ou concevoir. Parce qu'il n'a jamais vu l'Oba. Donc le fait de ne pas avoir vu l'Oba, il ne pouvait pas exister. Donc il n'était pas vivant. Non pas seulement parce qu'il n'a pas vu l'Oba, mais par rapport à un autre procédé dont je ne vais pas révéler ici maintenant. Donc, ceci pour dire que le premier homme physique, terrestre, visible, a été fait du limon de la terre dans son corps. J'ai plus besoin de préciser qu'il était noir. Il souffla sous son visage un souffle de vie et l'homme devint vivant. Dans ici, là, dans cette version. Donc, l'homme devint vivant. Dans deux versions, c'est il devint une âme vivante. Mais ici, l'homme devint vivant. On commence d'abord par vivant et animé. Et animé. Et animé. Et animé. Animé, c'est quoi? Bon, on sait qu'animé, ça veut dire bouger, tout cela. Mais quand tu es vivant, forcément, tu bouges déjà. Mais tout dépend où on se place. Bon. Satan, certes, les namlouloma mungulane, c'est-à-dire les anges déchus, avant de chuter, certes, ils avaient l'être le mouvement, mais ils n'étaient pas vivants. Ils n'étaient pas vivants par rapport à cet enseignement-ci.